vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de tous les produits en fait que je rachète tout le temps, vraiment que j'adore, que je peux même passer. J'ai passé en revue en fait tous les produits où je me suis dit que je l'ai au moins racheté 2 ou 3 fois, donc minimum. D'accord, j'ai pas hâte de te caresser, merci. I'm coming home, tell the world I'm coming home. Je me casse 3 jours en vacances. J'ai acheté pour Iliana avant de tout mettre au lavage. J'ai trouvé ce pyjama de la marque Petit Bateau, vraiment adorable avec les cœurs trop mignons. Ensuite j'ai pris cette salopette là, je la trouve trop belle avec le petit chapeau, comme ça on avait que des bonnets, donc j'en ai profité pour en prendre 2 tant que je pouvais lui essayer en magasin. C'est la marque Petit Bateau aussi, vous m'aviez demandé dans les stories. Et j'ai pris de la marque Petit Bisou, je connaissais pas, cette robe avec un petit bloomer et le chapeau. Dites-moi si jamais ça vous intéresse quand même que je parle un peu bébé, maternité, tout ça, dites-moi. Vous n'êtes pas prêts, moi non plus d'ailleurs, parce qu'au moment où je vous parle, j'ai pas encore fait ce DIY, donc j'espère que ça va le faire. J'ai décidé en fait de faire un DIY avec des bougies chopées sur Le Bon Coin. C'est des bougies vraiment basiques, mais très longues. Vous pouvez trouver des bougies, des chandeliers, je vous mets quelques exemples ici, vraiment magnifiques sur Le Bon Coin et vraiment, vraiment pas cher puisque de seconde main, enfin voilà, c'est vraiment beaucoup moins cher. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé de faire une bougie twistée. Donc juste ici, il va s'afficher la photo de la bougie twistée que j'aurai réalisée. Donc j'espère qu'elle est canon. J'avais envie en fait de faire un DIY parce que j'en fais jamais, parce que je suis nulle. Mais j'ai vu sur internet que c'était hyper simple à faire, donc let's go. J'en avais commandé aussi directement des toutes faites comme ça sur Le Bon Coin avant de savoir que je pouvais les faire moi-même, mais je les trouve vraiment trop belles. Elle est trop bien twistée, c'est trop trop joli. Et voilà, rose comme ça, il existe, il y en a plein, mais plein. Des bougies simples, chandeliers pas twistés comme ça, il y en a plein. Des bougies torsadées, des bougies bustes aussi, je vous montrerai. J'en ai reçu de créatrices sur Le Bon Coin. Et j'aime toujours autant, moi personnellement, passer par l'appli Le Bon Coin parce que je trouve que c'est hyper simple d'utilisation. C'est vraiment pratique en fait sur le téléphone. Les paiements sont sécurisés, j'ai jamais eu de problème parce que je travaille avec Le Bon Coin, mais je commande aussi certaines choses moi-même. Et voilà. Au niveau des livraisons, c'est toujours par la poste ou Mondial Relais. Voilà!